6-9 sur Énergie. Énergie. Avec Jusena, Kenondi. Aïe, aïe, aïe. De la joie, t'es la zig pour toi jaillir. Lève et pisser. Et ok, t'es passé en bon journée. En bon journée. Le 6-9 vous dit bonjour. Ce matin, guest exceptionnel. Et on a fait des kilomètres pour arriver jusqu'à nous. Ça, c'est le délire de Dandy. Hein. On a fait des kilomètres. Alors, on l'attend encore. Il a dit qu'il arrive dans la seconde. Ah, tiens, regardez. Oh mon dieu. Regardez qui est là. Oh mon dieu. Regardez qui est là. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, les petits enfants. Bonjour, bonjour. Ah, il m'a touché l'épaule. Ça y est, t'es béni. Cool. Bonjour Lindy. Bonjour. Oh mon petit reine, il est tout mignon. Bonjour JC. Oh. Bonjour. Oh là là, la route elle est pleine. Hein. Ah, il y a des cadeaux. Oh là. Regardez-moi ça un peu. Mais c'est des cadeaux pour nous ou pas? C'est pour les auditeurs d'énergie qui ont été très sages, contrairement c'est à vous trois. La même chose. Je vous entends faire des bêtises tous les matins. C'est pas vrai. C'est pas bien. C'est pas vrai. C'est pas nous. 6 heures. Les petits lutins me le disent. Particulièrement le petit Gistel. C'est vrai qu'on n'a pas ici. C'est le plus coquin de vous trois. Ah voilà, c'est oh ça. Oh, messieurs, dames, les enfants. Le père Noël est gentil, mais attention. Faites du bruit pour Santa Claus. C'est le Père Noël qui est avec nous ce matin. Alors Père Noël, apparemment t'es venu avec plein de cadeaux, notamment des places de cinéma avec Cinéstar. On a aussi apparemment une caisse de champagne. Oui, elle est là, une belle caisse de champagne pour le plus gentil des auditeurs. Oh là là, comment on va faire ça? Mais je peux pas être une auditrice là juste pour le coup, non? Ça passe pas? Ouais, je sais pas, je pense pas. On je pense écoute que tous les matins quand même. C'est ça. Alors je vous présente l'équipe, hein. Vous la connaissez, hein. Nandy, Morgane. Nandy, le petit reine ce matin. Oui. Morgane, c'est moi. Le petit lutin et JC, on en fait quoi? Mais Père Fouettard. Ouais, c'est ça. Non, mais la question, c'est comment vous voyez si une personne est sage ou pas? Ah, parce qu'on ça, c'est a une bonne question. Ah, on est connecté, même au pôle Nord. Ah ouais? On a des petits ordinateurs qui nous racontent tout ce que vous faites chaque jour. Ah, c'est l'oncle Sam, c'est toi, en fait. Eh, c'est oui. Toi, c'est Nandy, ça. On sait que ce week-end, tu étais en string à la plage. C'est brief pour moi, les gens. Hein, au revoir, je m'en vais. Une petite anecdote sur Morgane, alors? Oh, Morgane, ça ne peut pas se dire. Sinon, elle va avoir des problèmes avec son mec. Ah, il s'en passe des choses. Ouais. Très bien. Bon, vous restez avec nous, Père Noël. On est content de vous avoir. Bah, je suis venu exprès pour vous. Hein. Il en impose quand même. Hein. Oui. Non, oui. Il est imposant. Oui, c'est le Père Noël. Il mange quand même toute l'année. Justement. Je vois pas, il a que ça à faire toute l'année. Je travaille 24 heures, mais bon, il faut y aller quand même. Hein. Tout à fait. Le Père Noël est avec nous ce matin. On le retrouve après Whisky avec Joro sur Énergie, puis appelez-nous 0825 825 696, on va lâcher les cadeaux. Tout de suite les amis, c'est dans le 6-9. Ça tombe bien, Père Noël est avec nous ce matin jusqu'à 9h. Père Noël, je vous laisse avec les auditeurs. Ouais, je voulais juste dire un truc, il y a un gars qui essaye de m'imiter, j'ai entendu dans le ping hein, juste avant, qui fait oh oh oh, mais c'est pas le vrai Père Noël ça. Hein. Il s'appelle Richard, si vous avez un problème avec lui. Vous irez voir directement. Ouais, je vais me plaindre, hein. On essaye de me piquer mon métier là. Apparemment. Il y a du monde avec nous. Ouais, il y a Jessica avec nous. Salut. Bonjour Jessica, comment ça va? Ça va. Bon, tu as quel âge, dis-moi? Je sais pas, entre 30 et 35. Entre 30 et 35, d'accord, c'est bien, hein, ça laisse une petite marge. C'est une grosse marge. D'accord, ouais. Et tu crois encore au Père Noël, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais oui, on va voir ça, hein, parce que si tu crois pas, il y aura rien dans le cadeau. Si, je crois. On envoie le cadeau. Vous sortez le cadeau de votre hôte. On ouvre le cadeau. Attention. Hop, hop, hop. C'est quoi? Alors. Oh, oh, oh. C'est pas très gros, hein. C'est de la magie. C'est que de la magie. C'est du cinéma. 10 places pour toi, ma petite chérie. Ouais. Joyeux Noël. Alors, ce que t'as pas dit, Père Noël, c'est 10 places pour aller voir n'importe quel film. Il y a Star Wars, La Reine des Neiges, Jumanji. Et c'est donc au Cinéstar des Abîmes. C'est ça, c'est pour aller au Cinéstar. Soit tu ramènes toute la famille, une dizaine de personnes, voilà, tu brûles les 10 places. Soit tu enchaînes les films, voilà. C'est cadeau. Gros bisous, joyeux Noël. Et bisous. Bisous. C'est du jamais vu sur Énergie Antilles. Le Père Noël est notre guest ce matin. Il est avec nous, Père Noël. Ouais, bonjour à tous. Là, on est grave ravis de t'avoir ce matin. Ouais, moi donc, il fait bien chaud ici, on est bien. Hein. On va encore lâcher des cadeaux, évidemment, tout à l'heure avec le point d'orgue, c'est la caisse de... Une caisse de bulles. Une bonne caisse de champagne pour faire la fête. Vous n'aurez donc aucunement le... Enfin, vous n'aurez pas à acheter de caisse de champagne. Et on
on sent que c'est la fin. Voilà. On sent que c'est la fin. Non, c'est mon côté séducteur, il est troublé. Ouais, c'est je suis un peu troublé parce que ouais, c'est mon âme d'enfant qui parle aussi. Ouais. J'ai quand même en face de moi le Père Noël, donc c'est. Ouais. C'est... Je perds les mots. Et on va enchaîner avec la question avec Morgane. Tu es troublé ou tu as déjà tapé dans la caisse de champagne? C'est ça. C'est méchant. Le petit coquin. Père Noël. Oui, ma petite Morgane. Il y a des personnes qui sont intéressées. Le métier de Père Noël, ça paye bien ou pas? Bon, ça paye rien du tout. C'est hein, vrai? Ça fait des années que je fais ça, j'ai pas un radis. Hein. J'habite dans une vieille bicoque au fin fond du pôle Nord. Tu penses bien que sinon j'aurais pris une grosse villa dans les Caraïbes. Hein. Mais c'est quoi ce mytho là? Moi, ça, c'est un gros mytho, il fait toutes les campagnes de pub. C'est vrai, j'ai des avantages. Si. Vous avez une boisson gazeuse qui vous finance. J'ai de la neige gratuite et j'ai des cadeaux. Hi, gogo, hi, pour moi. Voilà, c'est ça. Ouais. On va faire la playlist du Père Noël rapidement. Bah ouais, ça dit quoi? Ouais. Alors, vous écoutez quoi pour lire les listes justement de cadeaux? Ah, bah pour se mettre dans l'ambiance, je mets Tino Rossi, petit papa Noël. Ok. Et dans le traîneau, du coup, ça donne quoi? Ah, bah dans le traîneau, faut être un petit peu plus musclé, donc on se fout un petit Major Lazer, comme ça on est bien à la pêche. Ça, c'est bon, ça. C'est ce qu'écoute le Père Noël? Ouais, c'est ça, exactement. Comme un problème. Eh ben, dis donc, et du coup, pour danser avec la Mère Noël, ça donne quoi? Ah, bah, avec la Mère Noël, j'écoute de l'eau de coco. Non! Ah, si! Bah, allez donc, c'est la Mère Noël qui va être contente. Wow. Ah oui, c'est Chat à Noël avec la Mère Noël. Chat à Noël. Ou Trouillon Noël. Mais ça tombe bien parce que nous, on va Chat à Noël tout à l'heure pour le grand final tout à l'heure avec le Père Noël qui va nous accompagner. Vous connaissez un peu les cantiques de chez nous? Oui, je connais bien. J'entends hein, de très très loin. Ça s'entend. Ça s'entend, c'est exactement. Oui, ça s'entend. J'entends aussi le bruit du rhum. Le bruit du rhum, c'est ça? Oui, le bruit du rhum. Ça fait pop, 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 ça fait autre chose. Bon, restez avec nous sur Énergie. L'info revient tout à l'heure avec le petit Nicolas Ledin. C'est à 8h30, à tout de suite. De Black Eyed Peas sur Énergie avec Ritmo. Vous savez, c'est quoi la traduction en français de Black Eyed Peas? C'est pois d'Angole, pois d'Ibois. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est pois yeux noirs et donc c'est des pois d'Angole. Où, D'accord, ok. Oh, il a tué le mythe là! Les Black Eyed Peas, bon, bon, terminé! T'imagines? Reste avec nous dans un instant sur Énergie, poids d'Angole avec Ritmo! Ça claque! Non mais ça claque bien! Le traîneau du Père Noël, le Père Noël est avec nous! Vous avez encore des cadeaux pour les auditeurs? Oh, bah oui, j'ai un gros cadeau, on va finir par l'ouvrir comme un vin! Bah vous savez quoi, on enchaîne? Oh oh oh! C'est le Père Noël sur Énergie Antille! Venez ouvrir vos cadeaux par milliers! Oh oh oh, il est bien gros ce cadeau! Bientôt du. Eh bien, on a Sonia avec nous. Salut Sonia. 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 Oh, bonjour Sonia. Sonia est intimidée ou c'est comment? Ça va? Sonia. C'est Noël, on lui raison de moi. J'aurais été un épisode. Les chutes de Noël ont eu raison d'elle. Elle a on te présente le Père Noël qui est avec nous, qui va te livrer un beau cadeau. Bonjour Sonia. Bonjour. Oh, bah, c'est quoi cette petite voix? T'as peur du Père Noël, c'est ça, hein? Non, 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 le Père Noël arrive dans moi aussi. Ah, tiens, pas si la nuit que le Père Noël. J'ai pas au courant, c'était pas moi. C'était un gars à gros ventre, mais c'était pas le Père Noël. Bon, on va laisser le petit garçon raconter des histoires et puis nous, on va ouvrir le cadeau. Alors Sonia, on ouvre. Oh, c'est bien gros, c'est bien lourd. Alors, c'est quoi? Oh, 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 oh! Une caisse de champagne! Non! Oh! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Eh ben, dis donc, bah, tu sais, comme maintenant... ça, après Noël, elle aura plus de voix du tout, hein, c'est sûr. La voix va être cassée complètement, donc pas la peine d'acheter une boisson à bulle, hein. T'as tout ce qu'il faut, t'as une caisse entière. C'est avec 6 bouteilles, c'est ça? C'est ça, 6 bouteilles pour mademoiselle. Génial, génial. Ah, c'est génial, bah, je te le fais pas dire parce qu'on a voulu carotter le Père Noël, essayer de choper une bouteille, c'est pas possible. Ouais, mais attends, non. Du coup, on vient chez toi quand? Ouais, c'est bon. Tu nous réserves une bouteille spéciale 6-9. S'il te plaît. Je vous enverrai une. Ça sera pour 2028. C'est ça. Merci en tout cas, merci beaucoup. Reste avec Sonia, nous. Salut Sonia, joyeux Noël. On va chanter Noël maintenant. On va chatter Noël avec le Père Noël qui va whiner. Vous aurez la vidéo sur Facebook d'ici dimanche, normalement, si tout va bien. Attention, ladies and gentlemen, 6-9 Music. Chat à Noël. Here we go again. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
toi, mais je mange un petit peu. Ouais, ben enjaille toi. Il faut chauffer d'abord. Tout à fait. Vas-y, comme moi, vas-y. Hop, hop, hop. On chauffe. Hop, hop, hop. Oh, oh, le dos. Oh. Oh, mais non, on va pas le chauffer. Il a bloqué son dos. Bon achat. Attends deux secondes. Parce que je suis bien parti. Je te fais une intro sympa. Et le Père Noël, il a tout cassé. Attention. Il a tout cassé. Il a brisé tout. Il a tout cassé. On est en partie. On se fait évidemment une très très bonne fête. Le 6-9 qui part en vacances et qui revient évidemment à la rentrée début de janvier. On sera là évidemment avec toujours plein de cadeaux et notamment une grosse nouvelle. Hein. Je crois qu'il y aura, sera question d'essence dès la rentrée prochaine. Oula, ça va être bon ça. Ladies. Here we go. Chantons les louanges d'un Dieu plein d'amour. Écoutons les anges dans ce si beau jour. Oh oh. Mêlons nos trompettes avec le roi. Et dans notre quête, crions mille fois. Alléluia, alléluia, alléluia. Kyrie eleison. Alléluia, alléluia. Kyrie eleison. Alléluia, eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. On enchaîne. Pour un maudit péché, l'auteur de la nature, pour un maudit péché, Jésus-Christ est couché, tout nu dessus la dure, à qui il me fait pitié, dedans une mesure, caché, caché, dedans une mesure, caché, caché. Morgane. Oh, je connais son prénom là. Oh, bon, la vie de sa chauvienne. Près du hameau, on garde son troupeau. Le ciel brillait, le ciel brillait, tu ne le lumière. Il se mit à chanter, je vois, je vois. Chata Noël avec le Père Noël, ça le fait bien quand même. Mais le Père Noël, il chante ou pas? Oh bah, non, je pas cela, je pas concentré. Bon, d'accord. En tous les cas, merci beaucoup, Père Noël était avec nous ce matin. Il a du taf pour le 24 décembre. Il va faire le tour des maisons. Ben, nous, on vous dit passez de bonnes fêtes. Excellente fête à moi, je voulais juste saluer quelqu'un avant de partir. Ouais. C'est quelqu'un qui nous a malheureusement quitté au mois de juin dernier. Et c'est quelqu'un. C'est un peu grâce à lui si aujourd'hui je suis à Énergie Anti. C'est Axel Tiraline. Et je voulais quand même le big up. C'est important. Voilà. C'est très important. C'est tout. Okay. À vous. Oh, il a tué l'ambiance. Bah, oui. Non, mais je voulais le faire parce que c'est important. Mais sinon, on vous souhaite de très très bonnes fêtes. Ouais. On va se retrouver donc, je crois que c'est le 6 janvier. Exactement. Et ça va être top. Dans la joie, je la sens que belle. Cette saison va être énorme. Soyez avec nous donc dès janvier. Joyeux Noël à tous. Fêtes. Et à bientôt, Père Noël. Gros bisous, bonne journée, bonne fête. Joyeux Noël. Oh. Voici le Rédempteur. Le Rennes qui chante. À l'année prochaine, salut, bonne fête. Bisous.